Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur le fameux Amazing Grace que vous connaissez probablement tous. Comme je l'ai précisé dans la revue, en fait, la première partie est un petit peu plus aventureuse d'un point de vue harmonique et la deuxième relativement fidèle au thème. Donc on plonge dans une description de tout ça. Le morceau, il faut savoir qu'on peut le jouer. Moi, je l'ai extrait d'un recueil de chansons country. Donc on peut le jouer de manière très simple avec juste finalement sol, do. Sur le cinquième degré, le ré, après on prend do, etc. Donc en fait, un 4-5 relativement classique. Là, au début, me concernant, je commence avec le sol, et ensuite, je viens en fait rajouter septième et neuvième, en fait, pour créer un mouvement qui va m'amener naturellement au do. Je l'explique. Déjà, en rajoutant la septième, le fa, naturellement, je vais attirer le mi du do, donc la tierce du do qui va venir après. Et là, en rajoutant également ma neuvième, je vais faire un mouvement en fait qui fait neuvième, neuvième bémol, donc la bémol, pour descendre sur le sol qui est la quinte du do. Donc je vais avoir deux notes qui vont attirer en quelque sorte mon accord du quatrième degré. Si je refais juste ce mouvement-là, et après, donc je place le hammer-on pour amener le mi, donc du ré au mi. Et après, je viens rajouter la septième majeure du do en arpège. Voilà. Donc j'ai mon. Et après, je viens rajouter un sol majeur 7-9. Alors, j'ai même pas de tierce, mais c'est pas grave, on entend très bien le. On perçoit tout à fait que c'est un sol. Donc là, il n'y a pas vraiment de choix stratégique concernant ce qui va suivre, pardon. C'est juste parce que je trouvais beau, tout simplement. Et là, lorsqu'on est en mesure 6, je vais avoir. J'arrive. Slide, et après je vais faire sol, si bémol mineur, ré. Alors j'ai, lui je le nomme si bémol mineur, en fait c'est juste pour avoir un mouvement avec plein de sensibles en quelque sorte, dans le sens où je suis sur mes cordes qui vont du la, corde de la, ré et sol, et en fait si je décortique les mouvements par corde, je vais faire ré, ré bémol, ré bémol, ré, sur la corde de la. Ensuite, je vais faire sol, sol, fa dièse, voilà, sur la corde de ré. Et ensuite, sur ma corde de sol, je vais faire si bémol, la. Donc, je vais avoir ces trois mouvements qui sont simultanés, qui vont amener naturellement le passage du sol au ré. Et donc, voilà, en passant
par cette triade, de, on peut dire, de si bémol mineur renversé à la tierce. Voilà. Et après, là je suis bien en ré, je viens juste jouer le si. Et là je viens renverser mon ré à la tierce, donc avec le fa dièse. Mais en fait, pour attirer le sol qui va venir après, au lieu de jouer un ré naturel en fait, hein, renversé à la tierce, je viens l'augmenter. Comme ça, j'ai un la dièse qui va attirer le si du sol suivant. Donc, si je reprends ça, et voilà. Et là, j'ai bien mouvement en fin de mesure 8 où je joue le ré et le si pour réappeler le sol. Et après, j'ai une espèce de petite montée qui va m'amener de mon sol qu'on peut considérer comme sol sus 2, là, parce que j'ai pas de tierce, et je rajoute le la, hein, qui est donc la seconde. Et après, je rajoute la neuvième dièse, voilà, pour arriver à mon sol 9. Mon sol 9, pardon. Et après, viens sur mon do que je vais réarpéger, et après je viens greffer le do mineur qui, voilà, qui donne cette ambiance un peu plus grave à ce moment là donc si je refais la ligne mesure 9 à mesure 12, c'est à dire troisième ligne, voilà. Et là, j'ai une espèce de petit mouvement en contrepoint du pauvre, si je puis dire, où je vais avoir un mouvement qui va faire si la sol mi bémol, voilà, ou si la sol ré dièse, mais bon, on est en do mineur, donc c'est bien si la sol mi bémol, voilà. En même temps que ces quatre notes-là, je vais jouer la dièse, si, do, do dièse. Voilà, donc j'ai ça. Voilà. Moi, j'aime les jouer légèrement désynchronisés. Je trouve que d'un point de vue, en fait, de ce que j'ai envie d'entendre, c'est ce qui me convient le plus. Donc, je suis là. Voilà, pour retourner après sur mon sol. Donc, en fait, c'est plein de petites techniques pour passer d'un accord à l'autre, parce que là c'est vrai que je termine sur do dièse mi bémol, et en fait ils attirent tous les deux le ré, voilà, le ré qui est donc la quinte de mon sol qui vient après. Donc après je reviens sur mon sol, petite phrase chromatique du do au ré pour arriver sur mon ré augmenté. Là, ça commence à être un petit peu une zone un peu plus trouble d'un point de vue harmonique. J'ai pas vraiment, je vais pas le cacher, d'explication sur pourquoi j'ai joué ça. J'intellectualise pas trop ce que je fais. Donc c'est juste parce que esthétiquement, pardon, ça me convenait. Donc je suis sur mon sol. J'arrive en la mineur 7, et là je vais descendre par demi-ton, voilà, et prendre mon ré 7 9 dièse, donc, je remonte d'un demi-ton sur mon sol dièse mineur 7 9, voilà, dans une position qui est un petit peu originale. Après, j'ai un sol dièse 7, j'ai noté parce que les noms sont un peu imbuvables, sol dièse 7, sur lequel on rajoute une neuvième dièse, voilà, donc si je refais tout ce passage là, voilà, et après je vais avoir comme une phrase chromatique, pour arriver sur cette espèce de la 9 sur lequel j'ai une quinte, le mi, la do mi, hein, la do dièse mi, la ma quinte, mais j'ai aussi une quinte augmentée. Ça fait un accord un peu dissonant, ou complètement dissonant. Si je
je refais ça. Voilà. La technique, entre guillemets, si je peux dire ça, je ne sais pas si c'est un truc officiel ou pas, c'est que lorsqu'on va avoir des accords très dissonants, j'aime personnellement les jouer de manière très douce. Dans ce cadre-là, parce que le morceau, déjà, c'est une balade. Mais en fait, la douceur de l'attaque vient un petit peu calmer le côté plutôt osé et dissonant des accords. Donc, si je refais ma phrase. Après, j'ai ma phrase. Et là, je passe par un sol dièse mineur 6 pour en fait revenir naturellement sur un sol 6-9 qui me ramène vers ma tonalité de sol. Et après, je reprends vraiment mon accompagnement en mode country vraiment classique. Si je reprends le thème qui commence vraiment en mesure 24, là je viens utiliser mon pouce pour ce qui me permet de pas venir casser le rythme. Très important, le bien laisser durer les notes, en fait, c'est ce qu'il y a de plus important. Lorsqu'on va jouer. Donc je suis vraiment en mesure 29. Et là, je vais avoir deux slides de suite. Je passe de mon si au la à chaque fois deux appoggiatures, hein, avec mon majeur. Et après, je slide du la dièse jusqu'au ré. Et en fait, je vais descendre sur ma position de ré. Hein. Ici, position, voilà. Forme de la que j'ai décalé, et je vais descendre par demi-ton jusqu'à atteindre un ré augmenté. Voilà, et après je viens résoudre avec ce petit mouvement encore avec des chromatismes. Là, j'ai continué parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire d'un point de vue harmonique. Je suis juste sur mon sol et mon do, en quelque sorte. Enfin, en quelque sorte, complètement. Je repasse en do. Et là, je viens placer un mi mineur 11. Là, je prends bien mon pouce pour terminer. Et vraiment, après, j'ai la descente vraiment très classique qu'on peut retrouver dans les Beatles, qu'on retrouve partout. Hein. Et après, je viens rajouter mes harmoniques K5 tout en faisant bien attention d'avoir toujours la résonance de ma basse. Voilà. Donc là, en gros, on a fait le tour. Après, c'est à vous de pratiquer pour l'avoir bien dans les doigts. Donc voilà pour ce coup-ci. Puis ben, on se voit dans 3 mois pour le prochain épisode. Salut! Retrouvez toutes les partitions relatives à cette leçon dans le numéro 59 de Guitare Sèche le Mag, disponible en version papier ou numérique par abonnement ou en kiosque. Le lien de notre boutique est disponible dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne.